Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo de randonnée. Donc on va faire la randonnée, je sais plus déjà le nom de la randonnée. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on va attendre Madame Passion Campagne. Comment cette vidéo déjà, je sais même plus c'est. Enfin bon, on monte, on est à 600-700 mètres de dénivelé. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure quand Madame Passion Campagne va allumer son application. On est le matin, il fait 4 degrés. Quand je me lève, j'ai cette vue là. Voilà, j'ai vu sur la montagne enneigée. Donc c'est pas de ce côté là qu'on va aller, c'est sur l'autre montagne là-bas. Normalement, je pense pas qu'il y ait de la neige, mais ça se peut qu'il y en ait. Bon, c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, elle a commencé à fondre un petit peu. Donc on va voir, mais bon, je pense pas qu'on ait de la neige par là-bas. Parce que même quand on est monté au col d'Aspin là-bas, il n'y avait rien. Voilà. Donc c'est la dernière randonnée qu'on va faire ici. Parce que bon, on est à un ou deux jours du départ. Donc après, il faut qu'on range et tout ça. Donc voilà. Bon. Donc ça sera la dernière randonnée, mais vous allez voir, elle risque d'être jolie, mais bon, comme à mon habitude, on va se péter le bide par là-haut, voilà. Bon, je vous reprends sur le départ de la randonnée, à tout de suite. Bon les amis, on devrait grimper là-haut, voilà. Alors, de quel côté et tout ça, on va voir ça tout de suite. On va démarrer la rando. On s'est trouvé un petit parking à se garer par ici. Donc, allez, c'est parti. C'est par là-bas. Donc, la rando s'appelle le Courtaou du Teillette. Alors, je prononce peut-être pas de la bonne façon. Donc, le départ se fait du parking de la mairie qui se trouve juste à droite. Mounac. Donc on est sur un tracé jaune normalement. Guérisseur, magnétiseur, coup de feu. Tracé jaune, c'est par ici. Bon, ben voilà. Départ de la rando, 10h. C'est ce que je viens de dire. Le Teillette. Oh, le Teillette. Il y en a le chemin du pouvoir. Bon, les amis, ça a piqué. Parce que naturellement, on mange pas de graines. Bouffe pas de graines. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande deux fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne mange pas de graines. On est venu en pétage de bide. Donc, je suis bien le seul youtubeur en France à faire des sommets comme ça là. Et emmener ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que j'ai prévu.
qu'on a de l'eau quand même déjà sur le départ de la randonnée, c'est quand même pas mal. Bonjour. Il y a des tables à pique-niquer. Il y a d'autres randonneurs. Ça part avec des sacs à dos plus petits quand même. Hein. Ça a piqué. Sachant que j'ai encore mal au genou, il n'y a pas longtemps que je me suis opéré du genou et je suis encore dans la rééducation. Donc on y va doucement. Assurez vos appuis. Où c'est que vous mettez les pieds? C'est toi qui fais les bons fromages? Elle doit se dire, ils sont cons, ces Charentais. Oh! Ils sont débiles, ils voient une piquette et ils sont plus tous ces couillants. Les amis, ça grimpe. C'est normal, c'est sur la montagne. Mais toi là, ça va, après t'as monté pire que ça. Les petits sapins de Noël. C'est ça qui pue là. Non, le buis. C'est ça qui pue depuis tout à l'heure là. Il y en a partout. Ça pue cette merde là. Donc, toujours tracé jaune. Thank you.
Non, c'est là. Donc là, quand ça grimpe comme ça, cherchez pas à faire des grands pas. T'inquiète pas. Faire des tout petits pas avec des tout petits pieds. Dora. Dora à la montagne. Les bichons des montagnes, c'est le saut, hein. Ils cherchent pas à faire passer. Le théier. Le théier. Théier, théier. Théier, théier. On est pareil. Non. Et on monte tout là-haut. On commence à dominer un petit peu le village. Hein. Bon les amis, la montée est dure. Bon ça va quand même. Mais la descente sera plus dure. Ce sera pire. Ça va, on arrive quand même à monter. Hein. Voilà. Ça suit bien. Prends le temps, ça sert à rien de faire les choses à la galope. Mais le plus important, c'est de montrer à toutes les salopes qu'il y a sur les commentaires. Ou même discrètement derrière leur téléphone. Sont toujours en train de critiquer sur les lives des autres. Ah, pâté de campagne. Pâté de campagne, t'as vu mon gars? Pâté de campagne? Hein? Pâté de campagne? Hein? Plus de 100 kilos? Toi? T'as vu où c'est qui monte? Ma petite salope. Pour les petits rageux là. Quand je vous le dis, plus de 100 kilos, eh ouais, opéré du genou, il n'y a pas longtemps, et je te fais des sommets. Alors, t'es comment toi dans ton canapé? Ah ben c'est ça. Hein. Regarde, c'est pas beau. Attends, moi, je vois là-bas. Ah eh oui. Déshabillez-vous si vous êtes trop chaud. On les a mis toujours sur la randonnée. Bon, on va pas trop vite. Parce que on vient de faire des petits plans drone. Donc naturellement, on a un peu plus de temps. Puis bon, comme j'ai dit, on prend le temps. C'est pas une compétition, ni une course.
On a plus de 600 mètres de D+. On peut voir que ça grimpe. Bon les amis, on va faire la petite pause chocolatine. Bon les amis, tout à l'heure quand j'étais à la boulangerie, naturellement, on a pris quoi? Des chocolatines. Eh oui, chocolatines. Eh oui, on est dans le sud-ouest, donc c'est des chocolatines. Voilà. Tiens toi, tiens. Merci. Tiens. Merci. Voilà les amis, petite chocolatine. Eh moi je fais de la gueule, je mange merde. Ah. Au revoir. Bah tu peux la manger là-bas en bas. Allez, au revoir. Bon. Tu la veux? Oui, allez. Allez. Putain qu'il est con. Tu mérites pas. Pas non plus. Bah plus les amis. Dora à gueule parce qu'elle voulait la chocolatine. Bah oui, toi tu t'annonces pas, c'est pas à moi. On n'est même pas à la moitié de la randonnée, les amis, que déjà, on fait une petite pause chocolatine. Quand j'ai dit qu'on allait se péter le bide, c'est quand même pas des conneries, hein. Vous allez voir après. Si tout va bien, on devrait manger dans un endroit relativement sympa. Là, ça grimpe, les amis. Bon les amis, vous pouvez voir la flèche, hein, c'est pas là, c'est là, et c'est là, voilà. Là les amis, ça grimpe fort, ça grimpe tout ça. Là, je crois qu'on était dans la phase la plus simple. On fait attention aux appuis, parce qu'avec les feuilles, ça a tendance à glisser. Et là, ça grimpe. Putain. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Alors en bas, on a campant. Là-haut, on a le pic du Midi. Juste en haut, là. Voilà. Ben, je pense, si. Si, si, je pense, hein. Voilà, c'est magnifique. Donc je confirme, ce qu'on voit là-haut, c'est bien le pic du Midi. Je sais pas si vous voyez la petite antenne où c'est que je vous mets la flèche. Je sais pas si je peux zoomer. Allez, on est reparti. On a le ciel un peu voilé aujourd'hui, contrairement aux autres jours où c'est que c'était un peu plus bleu, même très très bleu. Bon, c'est pas grave. On a beau temps, quand même, hein. Il fait pas froid. Depuis une semaine qu'on est là, on n'a pas vu une goutte d'eau. Et passage un peu raide par moment.
C'est petit bonnet, ça, c'est petit bonnet. Ah, ça pue cette merde là. Ça, ça pue. Ça, c'est horrible l'odeur que ça peut dégager. Ah, couillon. Ouais, j'ai pourtant l'habitude des mauvaises odeurs avec Madame Passion en campagne. Oh, et ta gueule. Mais là. Là, c'est. C'est horrible. Maman, les petits pieds. C'est les petits pieds, ça. Maman, tu fais du combien? Tout à l'heure, je montais à une marche, je croyais bien que je n'arrivais pas à la monter. Maman, tu arrives à marcher avec des petits pieds comme ça? Droit à la montagne. On a Campan en bas. Pic du Midi là-bas. Là, en face de mon bâton. C'est un espèce de truc en ciment. Ma passion campagne, elle a pris le sac Tanger. Ouais, et c'est vrai qu'il est vraiment bien que ça. Voilà. Sac que j'avais eu en partenariat avec la société Skyper. Voilà. Bah, il est vraiment confortable. Bon, bah. On vous oblige pas à l'acheter. Mais voilà, on l'a essayé. Sur plusieurs randonnées, à la fois sur du plat et comme là à la montagne. Il est léger. À la journée, c'est très bien. Sinon, ah bah là, c'est magnifique de là. T'as la vallée de Campan en dessous. Non, mais c'est dommage parce qu'avec mon téléphone, j'arrive pas bien et qu'elle va venir. Mais moi, c'est pareil, là, ça reste un peu flou. C'est un peu. Ça, c'est chouette, hein? Ah ouais. Bah là, tu. Non? Ah, ben on va aller voir le bichon. C'est quoi qu'on peut aller voir? Les bichons. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Le bichon des montagnes! Ah! et quelle est la différence entre le bichon des montagnes et le bichon des villes? Bah, il est à la montagne. Ah. Hein? Ah, on va aller chercher du fromage. C'est toi qui fais du bon lait? Tu as peine? Non, ça va. Elles ont pas de clôture? Bah non. Elles sont sauvées? Bah non, elles sont dans la montagne, elles ont pas besoin de clôture. Il y en avait une à Payolle et une petite cloche. Ouais, mais le mec il avait une gueule de con. 10 balles. Il avait une gueule de con. Il faudrait qu'on aille voir un truc de souvenir à la fin. Là. Bah par là-bas. Une petite cloche. Des montagnes. Avec sa bière à 5 balles. Là, du fromage, on en a assez, je pense. Vouloir encore du fromage? Non, on a 100 balles de fromage dans le chalet. Non, non, du fromage, c'est bon. Et le petit, c'est jaune. Une petite cloche pour mettre dans la maison. T'en as 3 chez les cloches. Mais non. Ouais. Une ancienne bergerie, un truc comme ça.
pas les... les cabanes là, je sais pas quoi là. Non, ça c'est pour les vaches. Quand la neige fond, ça vient ici, là, ici, ça se remplit là. Là, il y a un tuyau. Et là, ça fait un abreuvoir pour les vaches. Ouais. Bonjour. 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 Bon les amis, on va tout là-haut. On s'approche tranquillement. Ça grimpe quand même. Bon allez les amis, on est reparti. On a vu dépasser les 1002 d'altitude et nous on n'a pas de neige. La neige est juste en face. On le voit bien le pic du midi d'ici. Et en bas, on a toute la vallée de Campan. On n'hésite pas à s'hydrater. Parce qu'après, quand t'as soif, c'est trop tard. Et encore, on n'est pas en été. On est le 28 décembre. Allez, putain, oh. Maman, on se motive. Allez. On passe devant. Tu mets un petit pied devant l'autre. Allez, un petit pied devant l'autre.
C'est bien. Regarde, les petites chaussures. Non, non, tu fais du combien? Oh merde. Ah. Bon les amis, dernière ligne droite, et pas la plus simple. Bah non, c'est pour monter tout en haut là. Ouais, tout en haut. Et après, ça sera fini. Enfin, il restera peut-être encore un peu. Voilà. Bon, je vous reprends un peu plus loin. Le piqué du bâton. Le piqué du bâton. Bon. Faut monter tout ça comme ça. Ouais, bah là, ça, attention. Faut faire des petits pas. Allez, on se motive. Bon, là, je sais pas si vous pouvez voir le dénivelé. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Bon, on voit que ça glisse. Si eux, ils le voient pas, nous, on le ressent. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ah, tu tombes, ben, c'est moi qui ramasse. Ouais, et tu tombes aussi. Là, faut pas que ce soit glissant. Prends des bons appuis. C'est magnifique. Maman, qu'est-ce qu'on peut voir des fois dans la montagne comme ça qui se promène? Des bichons des montagnes. J'ai rien entendu. Des bichons des montagnes. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol les enfants. Toi aussi tu crois au spaghetti volant monstrueux? Pauvre bon, imbécile. Je vous filme l'arrivée au sommet. Non mais c'est pas là encore. Ah, pas là. Je crois pas. Ça glisse, c'est bien. Regardez ça. On n'est pas encore en haut. Randonnée très bien indiquée. Moi, je vais faire un bivouac dans la petite prairie qui est là-bas. Oui. Le petit carré de prairie. On n'est pas rendu encore. On est sur la crête. Ici, on est sur la crête, parce qu'en bas là ça descend. Je pensais pas qu'on aurait monté si haut. Et on n'a pas fini. Allez, on continue. La cabane se trouve plus loin. C'est vraiment très rocheux par là.
Si, si. Et un petit kerm. Un kerm. Par terre. Elle va te faire tomber. Mais non. Tiens, tu vois, mon caillou, il tient. Ah, Ah oui, c'est par où là? On a une boucle là, une boucle là. Je pense que ça va être en haut. Bon ben, le problème c'est que je peux pas voler là. Ouais, on va grimper. Bon, vu qu'on doit aller à la cabane, et la cabane, et dans une prairie et tout ça, je pense pas que ce soit en bas. D'après ce que j'ai vu, c'est tout en haut. Bon, bah allez, on se motive, bah de toute façon. Hein. Ouais, avec ce qu'on a fait, c'est pas bien méchant. Allez. On met un petit pied devant l'autre et puis c'est parti. On arrive de tout en bas là-bas. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est très très pentu et très très glissant avec ce tapis de feuilles qu'il y a par terre. Là, faut faire vraiment attention. Et surtout à ses appuis et tout ça. Allez. Continue. Et on va là-haut. Il y a le drôle là-haut. Allez. Là-haut, on a le casse-croûte. Le bon casse-croûte. Le casse-croûte pétage de bide. Quand vous allez voir qu'on va se mettre dans le ventre. Il n'y a pas 50 qui font ça. Non. Parce que soit les gens, ils restent dans le canapé à critiquer, ou autrement, bah quand ils feront des randos, ils mangent des graines. Allez maman! Allez, je vais reprendre tout à l'heure. Alors derrière, on voit Tarbes.
au loin. Alors, en premier, on doit voir Bagnères, et tout au bout, Tarbes. On domine bien hein, d'ici. Bon allez, je monte là-haut, et puis je vais envoyer Madame Passion Campagne sur le drone pour voir où se trouve la cabane. A tout de suite. Là les amis, on voit de loin. Ouais. On arrive de tout en bas, naturellement. On voit Tarbes au loin. La grande ville. Qui est tout au bout. Et on n'a pas fini de grimper. Et non. Il reste encore tout ça. Allez. Là-bas, on a le pic du Midi. On va l'apercevoir bientôt. Les amis, le genou là. Il est en PLS, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau la montagne. Voilà. Là-bas, il me dit. Regardez-moi ça, les amis. En direct live. Putain. Un petit kerm. Voilà. Et là-bas. On a la cabane. Bon, va falloir descendre pour aller à la cabane maintenant. On va descendre par là, je pense. La cabane est là-bas. Bon, je fais une photo panoramique. A tout de suite. Mais non. De toute façon, à un moment, il faudra que tu descendes. Hein. Ah, mais c'est par là-bas, c'est trop casse-gueule. Il y a des gens qui sont arrivés, ils ont contourné là-bas. Oui, il y a un gars, il est passé parce qu'ils ont dû passer par là-bas. En tout cas, si tu descends par le même endroit que tu es monté, enfin. Parce que la descente après, elle se fait par là-bas. Je sais pas. La descente, elle se fait par là, c'est. Je suis par terre. Parce qu'il y en a qui sont arrivés par là. Hein. Mais non, non, à pic. Parce que là, vous
Donc là, on est sorti de la rando. Ah, il y a une carcasse. Ah bah le bichon, il y a plus de viande dessus. Hein. Il y a des gens qui mangent là-bas. Il est là-bas. Ouais. Bon voilà les amis, ça y est, on est arrivé au sommet de la montagne. Voilà. Summit. On est arrivé. C'est magnifique. Maman, Summit. Voilà. Petit livre d'or. Il y a des couvertures maintenant là-haut. C'est quoi? La cheminée. Bon les amis, ça y est, on vient d'arriver à la cabane. Bon, on est arrivé, il y avait déjà des gens qui étaient là en train de manger, donc j'avais pas trop envie de les déranger. En attendant, j'ai fait 2-3 petits plans drone. Voilà, on a la table qui est là. On a le drone qui est en train de redescendre. Il redescend tout seul. On va s'installer à manger par ici. La petite cabane qui va bien, on va laisser un petit mot après. Donc j'ai le drone qui va atterrir à l'endroit où c'est qu'il a décollé. Hein. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Hein. La télécommande se trouve là-bas. Voilà. Bon allez, je crois qu'on va pouvoir se déguster une petite bière. Oui, parce qu'on est quand même sur une rando, même si c'est une rando qui pique la gueule, on est quand même sur une rando pétage de bide, hein. Faut pas l'oublier, hein. Eh oui, hein. Non, mais bon, pour toutes les petites putes salopes de merde là, qui s'amusent toujours à critiquer
passion campagne ceci, passion campagne cela. Hein? Est-ce que toi, mon petit fils de pute, là, qui laisse toujours des mauvais commentaires sur les lives des autres, hein, t'es capable de monter jusqu'ici? Eh oui, mon petit fils de pute, ils se reconnaîtront, ceux-là. Est-ce que vous êtes capable? Voilà. Eh oui. Eh oui, je suis gros. Eh oui, je me pète le bide. Mais, regarde. Regarde. T'as vu où je suis monté? Voilà. Ça, c'est pour toutes les petites salopes là qui s'amusent sans arrêt à critiquer. Voilà, parce que ceux-là, ils sont incapables de faire des sommets. Ils sont bons qu'à... Ah si. Le seul sommet qu'ils savent faire, c'est monter sur la chaise, c'est tout. Mais venez là, venez, au lieu de critiquer sans arrêt. Venez ici. Voilà. Suffit pas d'avoir que de la gueule, faut le faire, faut le montrer. Voilà. Voilà. Venez en famille. Sortez-vous les doigts du cul, les gars. Eh oui. On me dit souvent que j'ai de la gueule. Mais regardez. On n'est pas sur un fond vert, là. Eh ouais. Faites les choses. Faites-les les choses, les gars. C'était un petit message pour les petits fils de pute. De merde qui s'amuse à critiquer sans arrêt. Ils se reconnaîtront vraiment. Voilà. Donc c'est... J'insulte jamais d'habitude. Mais arrive un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Donc quand je vois les messages pâté de campagne, ceci, pâté de campagne, cela, ben pâté de campagne, il est à la montagne. Et il t'emmerde. Voilà. Ça c'est bandant. Putain. Ça, ça fait plaisir. Hein. Naturellement, on ramène nos poubelles. Hein. Un gros rouleau de sac poubelle, les amis. Hein. Et ouais. C'est pas Passion Campagne qui laisse ses déchets partout. Hein. Passion Campagne, il vient avec sa bouffe, il la ramène. Hein. Voilà. On est sur des lieux qui sont ouverts au public. Donc on essaye de respecter un maximum, de ne pas dégrader, de ne pas saloper et de respecter, d'accord? Donc à partir du moment où tout le monde fera pareil, les lieux resteront ouverts. Parce que vous imaginez bien que ce lieu, ça appartient pas à Passion Campagne, ça appartient à quelqu'un. Donc il y en a qui se sortent les doigts du cul pour entretenir ce genre de choses, donc un minimum de respect, voilà. Non mais bon, faut le dire ça aussi, hein. Ouais, parce qu'il y a tellement de gens qui dégradent ou qui se croient un peu chez eux partout, c'est un peu dommage. Hein. Mais cette bière, croyez-moi, on l'a bien méritée. Bon les amis, on est sur une rando pétage de bide. Donc pétage de bide, petit Bordeaux, hein, Saint-Georges-Saint-Émilion 2020, je vais vous montrer. Hein. Voilà, hein. Elle est ébouchonnée, hein? Ah ouais, c'est pas de la pisse d'âne dedans, les amis, hein? Et oui, quand Passion Campagne il ramène une bouteille, il fait pas semblant. Bon, les amis, on va se prendre un petit apéro. Ouais, parce que la bière, c'était pour enlever la poussière, on venait d'arriver, donc vous comprenez bien. C'est vraiment agréable. Ah, mais ils sont là-bas? Bon, allez, les amis, vous connaissez tous la chanson. La résonance. Bon, et les amis, je sais pas combien de temps on a mis pour arriver là. Bon, c'était long. Hein. Je vous explique. Quand on est arrivé dans la forêt, il y avait deux passages, d'accord? Il y avait un passage qui montait et un passage qui descendait. Je savais que c'était sur le sommet. Donc je me disais que si on descendait, on n'allait peut-être pas sur le sommet. Voilà, qu'il fallait monter. Donc on a décidé de monter. Donc ça a piqué la gueule, hein. On a bien monté, c'était bien. Le couple qui était là tout à l'heure, enfin le trio, eux, ils ont pris par le bas. Mais moi, je ne savais pas parce que, en fait, il n'y avait rien qui nous indiquait que... parce que la cabane se trouve en dehors du tracé. Donc, moi, je pensais que ça partait par là-bas et que... voilà, bon, bref. Et donc, bah, eux, ils ont pris par le chemin bas. Nous, on a pris par le chemin haut. Nous, on a décidé de se faire chier la bite et prendre par où ça pique la gueule. Et bah... Mais bon, on l'a fait. Voilà.
Donc les petits rageux de merde là, les petits fils de pute de YouTube là, qui s'amusent toujours à insulter tout ça, ils tâcheront de laisser des bons petits pouces bleus. Voilà. Oh, je sais très bien qu'ils vont pas en laisser, mais c'est pas grave. Je vais passer cette vidéo pour eux. Moi, ceux-là, je leur chie la gueule. Je baisse mon froc et je leur fais des grosses merdes comme on a vu tout à l'heure là-bas. Voilà. Avec ça, on a des petites olives. Ah bah oui! Pétage de bide. Donc je sais pas à quelle heure on est arrivé là. Mais là, il est pas de bonne heure. Je rappelle qu'on est quand même le 28 décembre. 28 décembre, en t-shirt. Voilà. Il y en a qui vont se dire c'est pas possible. Il n'est pas à 1000 et quelque chose. C'est impossible parce que il y aurait de la neige et tout ça. Ou alors il n'est pas le 28 décembre. Ben, je vais te montrer. On est à 14h08. 14h08, on est arrivé. Je vais te montrer qu'on est bien le 28 décembre. Voilà. Et l'heure qu'il est. Voilà. Je sais pas si tu vois. Hein. Il y a un petit contre-jour, hein, mais t'as bien vu. Ah, tu m'excuseras, on n'a pas emmené le service avec les vérins cristal. J'ai hésité, mais je me suis dit oui, après ça fera genre le gars. Donc non, on est venu à la cool. Putain, les petites olives farcies au piment d'Espelette. Ça, les amis. Voilà votre, les amis. Maman, souvent, elle est là-bas. Avec ça, à l'apéro, j'ai ramené magret de canard séché que je fais. Celui-là, il est au piment d'Espelette. N'hésitez pas à venir voir les vidéos aussi sur le saumon fumé et la viande séchée. 24-12-2023. C'est toujours un plaisir de venir faire un petit tour au Théier et de s'arrêter à cette cabane bien exposée et bien ensoleillée, vue sur le pic Montaigu et la chaîne enneigée. Bon Noël. Voilà. On a un silence ici. Non, faudrait venir cet été. Par contre, l'été. Ça doit être bourré de monde. Alors, détail. Bah, après, je sais pas, mais t'as pas trop le droit de bivouaquer. Bah, si, là, tu peux bivouaquer. T'es en pleine montagne, là. Quand la piste vire à gauche, oblique à droite dans un sentier à la fourche. Merde. Prendre le sentier de gauche. Oh. Pour gagner la crête, suivre au sud. Si je dois redescendre avec la bouteille à la le sentier qui est dans les bois, attention au feuillage, cela peut être glissant. Oh, au le bouchon sortir de la forêt, oblique à droite et traverser. Nous sommes venus. Bon, bon pain de la boulangerie d'en bas là. Ah, même vers les drôles. Où c'est que j'avais acheté les chocolatines ce matin. Waouh, c'est beau. On a emmené les petites assiettes de Noël. Voilà. Les Noël. Voilà, parce qu'on a le foie gras. Eh oui, ah bah t'avais oublié, on a un pétage de bide. Hein. Eh oui, on a un pétage de bide. Hein. Eh oui. Quand je te dis, je suis le seul youtubeur en France à faire des trucs comme ça. Eh oui. Mais attends, c'est pas fini. Hein. J'aurais pu emmener des huîtres parce qu'il m'en reste. Mais vu qu'en repartant, je dois passer chez un abonné. Parce que... il souhaite me rencontrer, donc bah j'ai dit bah en même temps vu qu'il aime les huîtres, j'amènerai des huîtres. Voilà, ça va. Ça va. Et t'as pas l'impression que t'es dans la vidéo à passion campagne? Non, ça va. Ah. Attends, le petit rageux là, hein? Pâté de campagne, pâté de campagne. Bah tu vois, pâté de campagne, ce qui mange du foie gras. Et ouais. En haut de la montagne, le temps que toi, t'es, ça se trouve dans ton HLM, en train de manger une boîte de ravioli. Et voilà. Mmh. Mmh. Et où la poubelle? Elle est accrochée à un sac là-bas. Regarde, avance. Là. Mmh, ce petit foie gras. Petit foie gras. Et Saint-Georges-Saint-Émilion à 1300 mètres d'altitude, ouais. C'est quand même pas mal, hein. Regarde qui descend là-bas.
petit foie gras à 1300 mètres, couillon. Il se mérite hein, quand même. Hein. Faites, venez en famille. Venez en famille, grimpez à 1300 mètres et vous tapez un bon gueuleton. Eh ouais, mais moi, c'est pas l'hélicoptère qui m'a emmené là. D'ailleurs, tu lui as donné la carte bleue, l'hélicoptère? Ah non, il est pas reparti, il est encore là. Et les gars, doucement, je suis en vidéo. Alors, ouais, je suis en train de dire que j'ai monté. Alors, si vous êtes en train de commencer à discuter ou démarrer l'hélicoptère à côté, ça va pas le faire, quoi. Ah bah ouais, non. Et non, c'est mes petits pieds qui sont montés jusqu'à là. Ah oui, et moi encore mieux mes petits pieds. Hein. Mmh. En attendant, toi, si tu fais cette planète, tu vas avoir des gros mollets. C'est vrai que là-haut, ça a piqué. Hein. Je croyais pas que j'allais monter. Hein. Des gros grillons charentais. Ça, c'est bon, ça. Ça avant-hier. On était visiter une fromagerie et le gars il dit oui alors vous êtes en vacances, vous venez faire du ski. Ah non non, j'ai dit non, moi non, je suis pas venu faire du ski. Ah non, moi je suis venu là c'est pour acheter de la bouffe et me péter le bide. Voilà, moi je suis venu là c'est pour me péter le bide, je suis pas... Voilà. J'ai acheté pour plus de 100... facilement plus de 150 euros de fromage. On a fait différentes fromageries. Fermier. Bah oui, il faut savoir se faire plaisir. Allez, faut s'affoler parce que ça va vite. Ah bah faut s'affoler, c'est toi qui dis ça. Ça. Et je suis sûr les rapaces là. Tu sais, des fois ils viennent, ils tournent là parce qu'il doit y avoir. Tu sais les gens quand ils laissent un morceau de viande, un truc comme ça. Donc naturellement, j'ai ma poche poubelle, d'accord. Hein. Attends, je vais vous montrer. Là il y a l'enclos des brebis. Tiens. On mettra ça dans la poubelle. Inès, tu vas venir la récupérer? Tiens, par là. Bon, les amis, ça y est, on vient finir de manger et on est reparti. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. On laisse cette petite cabane toute seule. Toute mignonne. Oh. Elle aurait bien voulu que je dorme ici. On continue parce qu'il y a la redescente. Et ça va piquer la gueule. Voilà. Bon, je vais faire peut-être un peu moins de plans sur la redescente. Je vais voir parce que là, faut qu'on se dépêche quand même aussi. Il est 15h et quelque chose. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on est... le 28 décembre, donc le temps change vite, la météo change vite, ah oui, là-bas, la météo change vite, et puis l'heure aussi, la nuit tombe vite, on peut voir les tracés des randonneurs qui sont passés par là, donc je sais qu'on doit descendre, mais par où? Je ne sais pas. Par là. Ah, on a deux, trois. On a deux, trois petites traces là. On a une petite cabane qui est fermée. Donc si vous voulez la faire, hein, cette randonnée, regardez, elle est quand même balisée. Voilà. Donc là, ça descend quand même. Hein. Donc on fait attention. Ah oui, ça descend là-bas. Bon, allez les amis. On s'en va par là-bas. On a Madame Passion Campagne qui est derrière. On vient de laisser... on peut voir un tout petit peu là-bas la cabane. Et on en a juste une autre ici. Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas de neige. Mais bon, on aurait eu de la neige. Comment vous dire que ça aurait été... je pense un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, on doit rattaquer par la pancarte qui est là-bas. Donc on a le tracé ainsi qui est là-bas.
normalement, bon, on va couper en travers. On est des cascadeurs, nous. On est des grands randonneurs de l'extrême, nous. Bah oui, nous, il n'y a rien qui nous fait peur. Ah ouais. Nous, on coupe à travers la montagne. Ouais, on suit même pas le balisage, nous. Non, non. Et tu vois, quand ça doit mouiller, ou la fonte des neiges, regarde. Hein, maman? L'eau doit couler là-bas. Ah ouais, nous on prend des risques. Ah ouais, ouais. Ouais, nous, petite cabane fermée, petite grange, alors peut-être qu'ils émettent du foin ou alors autre chose. Donc alors moi, la descente, faut que j'aille doucement avec mon genou, parce que la montée, c'est quelque chose, mais la descente, c'est autre chose. Trace jaune qui dit que c'est là. Faut faire attention, il y a des marches qui sont assez hautes hein, des fois. Ouais, tu fais attention toi maman parce qu'avec tes petits pieds tu arriveras peut-être pas à descendre. Je galope pas hein. Non galope pas non. Les petits pieds à Madame Passion Campagne. Ah oui, la marche elle est aussi haute que toi. Fais attention, c'est haut. C'est haut là la marche. Attention, c'est haut. Allez, ah oh, mon gol. Ah. Débile que t'es là. Oh. Ça fait crack. On fait venir un hélicoptère. Oui. Ah. Non. Et s'il peut pas venir l'hélicoptère, c'est qui va te ramener en bas au chalet? Un petit bichon. Un petit bichon. Sur le dos du petit bichon et on a mon titi. Ah ben le petit bichon, il s'est fait bouffer. Ah merde, le petit bichon. Ben le petit bichon qui devait te ramener en bas de la montagne, eh ben. C'est celui-là le petit. C'est celui-là qui devait te ramener en bas de la montagne. Ah bah le petit bichon. Ah bah le petit bichon, voilà. Ah bah oui. Regarde, il y en a d'autres là. Et là il y a la fourrure. C'est pas la fourrure là. Si. Oh, la peau. Je veux faire une housse de portable avec la fourrure. C'est pour ça qu'il y avait marqué. En fait, c'est les chiens sauvages qui les bouffent. Allez, hop, on continue parce que. Il y avait des chiens. Ouais. Il y a les vertèbres, il y a des os de partout. Oh putain, le genou. Ah oui, une autre colonne vertébrale. Il y en a là. Ah oui. Il y en a de partout. C'est des brebis qui se sont bouffées. Ouais. C'est des brebis qui se sont bouffées. Ben, il y en a d'autres là-bas. Il y en a un petit peu ici. Il y a des loups par là. Là, il y en a en place. Ah ben non, mais des chiens errants. Comme ils disaient, si on voit des chiens errants, il faut appeler la mairie. Ouais, non, mais même, il doit sûrement y avoir des loups aussi. Mais ramène-la, il faudra changer mon épaule. Non, puis après, bon, il y a tous les charognards qui viennent. Ouais, bah oui, qui viennent. Bah après, ils viennent manger tout le reste de la viande. Allez, les amis, on fait la descente. Et puis, s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous reprends. Bientôt rendu en haut.
Ah, si vous allez à la cabane, ouais. Ah, vous remontez, vous redescendrez. Ah oui. Ouais. Puis la descente, elle est raide. Hein. Mais comment la monter alors? Vous l'avez déjà faite, non? Non. Alors, soi-disant, parce que nous, on est passé dans la forêt. Oui, on est passé par là, à la pierre à l'envers. Ouais. Nous, on l'a pris dans l'autre sens. Et faudrait prendre, quand vous êtes à la cabane, à droite. À droite, parce que si vous prenez à gauche, vous montez, donc c'est pas grand-chose. Mais c'est qu'après, il y a une grosse descente dans la forêt. Et la descente, c'est que de la feuille. Et ouais, allez. Est vraiment raide. Donc nous, on savait pas, on aurait su ou on aurait pris. Ouais, ouais. Voilà. Bon ben, bon courage. Bon, la redescente se fait plutôt tranquillement. Bon, il y a du caillou, un petit peu, hein, ça descend. Faut faire attention. Mais ça va, ça va. Pour le moment, la redescente que j'avais fait avec Julien, c'était plus pénible que ça. J'étais vraiment en PLS. Hein. Ça m'avait vraiment gonflé parce que j'avais vraiment mal aux genoux. Là, ça va, même si ça descend. Faut être prudent. Parce que là on arrive dans un coin où c'est que il n'y a que de la feuille, avant il n'y avait pas de feuille. Il peut y avoir des cailloux qui roulent sous les chaussures. La redescente se fait plutôt correctement. Attention par là, ça peut glisser à des fois. Donc faut voilà, les bâtons, c'est pas un luxe. Prendre le temps. Alors tout à l'heure ça allait bien parce que il n'y a pas de feuilles. Là, il y a des feuilles. Des fois sur les pierres humides, faut faire vraiment attention. Avoir des chaussures quand même, je pense. À tige haute, c'est quand même pas un luxe également. Les bâtons, faut un minimum d'équipement. Voilà. Parce que là où c'est qu'on se situe, si t'arrive une couille, c'est pas un VSAV. C'est-à-dire l'ambulance des pompiers qui va venir te chercher, c'est directement l'hélico. Parce que là, regarde, t'es en plein dans la montagne. Hein. Voilà. Et là, la redescente, il y en a encore au moins pour 2 heures. Donc, comment te dire que faut faire attention, faut lever les pieds parce que t'as une petite racine là, qui est dans le chemin. Attention, là, dans le chemin, il y a une racine à pas vous prendre les pieds dedans.
elle est bien cette petite caméra parce que je peux bouger et ben ça recadre tout de suite. Regardez, là j'ai beau tourner, voilà, penché, ça reste toujours avec le machin que j'ai désigné. Voilà. Oula, là c'est beau. C'est beau de ce côté-là, je vais vous montrer. Je trouve une fenêtre. Ah oui, une fenêtre. Oh, en passion campagne, il a trouvé une fenêtre. Regardez ça. Voilà. Donc nous, le village se trouve là-bas. Voilà, l'entrée du village. Et parce que là, on vient de faire... on arrive de tout en haut là. La grosse descente. Ah bah là-bas c'est un terrain de foot avec le terrain de tennis à côté. Alors attends. Regarde ça. Alors si t'es en train de regarder cette vidéo et que t'as tendance à avoir le vertige, t'éviteras de dégueuler sur le canapé. Hein? Voilà. Maman sera pas contente. Parce que là, ça descend. Hein. Voilà. Donc évite de dégueuler sur le canapé. Toute la bière que tu viens de boire. Durant cette vidéo. Oh, les blagues nulles. Oh là 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 là. On aperçoit le village qui commence à se dessiner en bas. Et à dire que nous, on était tout en haut. Voilà. Belle petite randonnée. Plus long en montée et en descente que de durée de pétage de bide. En fait. Donc, vu que la durée de pétage de bide n'a pas été assez longue, ben, on va se repéter le bide après. Voilà. Bon, je vous laisse parce que j'ai la carte SIM qui commence à chouiner. Sainte-Roche, faut prendre. Ouais, ta gueule. Sainte-Roche, t'as pris Sainte-Roche? Ouais, ouais, et ta mère, elle a pris quoi? Parce que là, si tu prends Campan, on n'est pas rendu. Hein. Nous, on a pris Sainte-Roche. T'as pris Campan, toi? Ta gueule. Toi, tu pourrais attendre, hein? Fais demi-tour si tu veux nous retrouver. Ouais, 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 ta gueule, allez, avant. Avant qu'il fasse nuit, là. Ah oui, avant qu'il fasse nuit. Ah bah. Petite grotte, les amis. Je suis planqué, ils savent pas que je suis là. Ils sont en bas. Là-bas, ils arrivent. Je vais me remettre. Je vais me remettre ici. Ils arrivent. Oui, bah oui. Mais oui!
Allez Martha, t'es bête toi. Ah, ça fait bien. Hé hé hé. Tu fais le cri de la chauve-souris. C'est toi qui as dit c'est une chauve-souris. Oui, maman a dit c'est les chauves-souris. Ah ouais. La queue de la chauve-souris, moi je veux voir le truc. Bon, et il y en a, ils avaient quand même le courage de venir jusqu'à là avec du carrelage quand même. Hein. Avec du carrelage. La table. Le petit tabouret. Bon les amis, on arrive par où c'est qu'on était parti, mais par de l'autre côté. Oui, parce que c'est une boucle. Alors moi je descends par là, j'aurais pu passer par là, mais bon. Bon, je vais pas vous cacher que ça a quand même piqué la gueule. Hein. On va faire un point tout à l'heure. Théiette, nous on était passé. Et là, on vient de redescendre par là. Voilà. C'est par là. Voilà. Bon, les amis. Ça y est, rendu à la voiture. Eh ben, croyez-moi, il est 17h42. On est parti depuis 10h ce matin. Ça fait une belle rando. Alors, même si sur le site, ils disent combien, 3h, un truc comme ça. 3h35. Voilà, 3h30. Peut-être pour des habitués, hein, qui ont pas mal aux genoux. Ou, voilà, donc, voilà. Bon, sans s'arrêter peut-être. Hein. En général, les randos de Visio Rando, quand ils disent quelque chose, on est dans le truc, mais pas à la montagne, d'accord? Là, la montagne, on n'était pas dans le truc. Bon, après, voilà. Vous avez vu la vidéo? Ouais. Donc, la vidéo, c'est pas faite toute seule, d'accord? Le drone, il a fallu l'envoyer en l'air avec Madame Passion Campagne, donc déjà, ça c'est pas simple. Hein. Des fois, il faut qu'elle se tienne comme ça, parce que ça bouge. Suffit qu'il y ait un peu de vent, tout ça, donc bon. Donc voilà, donc les plans drones, faut les faire. Faut filmer, d'accord? Des randos à la montagne, on n'en fait pas souvent. Comme j'ai dit, moi je sors d'une opération du genou. Ça pique la gueule. Bon, il y a eu la redescente. Et puis, bon, bah là, il commence à faire noir, c'est bien ce que j'avais dit. Donc la redescente a été certains passages. Assez compliqué avec les cailloux, tout ça, donc il faut faire vraiment attention. Si vous voulez la faire, moi je vous la conseille vraiment, c'est une très très belle rando. Après, on s'est arrêté aussi manger aussi, hein, d'accord. Voilà, accessoirement, après, tu peux la faire d'un trait. Bon, on s'est pas arrêté manger non plus longtemps. Hein. Mais pas en temps de neige. Mais voilà, faut prévoir les équipements. L'été, prévoir de l'eau parce que tu n'auras pas d'eau. Il n'y a pas de point d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, il y a enfin juste la rivière en bas. Mais quand tu es en bas, soit tu es au départ, soit tu es à l'arrivée. Donc prévoir les équipements adaptés. Je préfère vous conseiller vraiment des chaussures à tige haute, voilà, et des bâtons. Voilà. Il y a des endroits, c'est glissant. Il y a des endroits, bon, avec les cailloux, tout ça, c'est toujours mieux. Et puis les chaussures montantes à tige haute, pour éviter de se faire une cheville, c'est pas mal quand même. Hein. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est hélicoptère. Il n'y a pas autre chose qui viendra vous chercher ici. Non, autrement, tu vas sécher là, et puis tu vas finir comme les petits bichons qui se sont fait bouffer. Voilà. Toi, maman, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite rando? Dans l'ensemble, ça a piqué quand même. Ouais, bah oui, ça a piqué. Forcément, t'as la montagne. Mais sinon, ça va. Ça va? C'est tout, tu veux rien rajouter d'autre? Non. Non. T'aurais aimé voir quoi là-bas? Oh hein? Et vous les monstres? Ah bon, moi ça... franchement ça me surprend d'avoir fait ce que j'ai fait. Hein. Je pensais que ça allait être largement plus dur. Ça a piqué. Ça a piqué beaucoup. Surtout la montée avec toutes les feuilles. Oh là là. On a failli se casser la gueule en plus. Voilà. Donc, point positif en général pour tout le monde. Sauf pour Madame Passion Campagne qui aurait aimé voir un petit bichon. Voilà. Elle les a vus sécher, mais bon, voilà. Bon, sur ce, moi, je vous encourage à faire de la randonnée
en montagne, hein, on n'est pas des gens sveltes comme ça, d'accord, hein, les Rocheux savent le dire, qu'on est gros, tout ça, mais nous, on fait des sommets en famille, et on se pète le bide là-haut. Donc, les Rocheux, comme j'ai dit tout à l'heure, allez vous faire foutre, puis les autres, si vous êtes déçus par mes propos et tout ça, bah vous avez le droit de vous désabonner, mais quand je dis des choses comme ça, c'est qu'il y a des raisons, d'accord? Donc, si ça vous choque, pas moi. Moi, c'est pas... voilà. Voilà. Arrive un moment, faut dire les choses. Donc, et puis les autres, le pouce bleu, l'abonnement. Puis sur ce, salut à la prochaine. Salut!